Nous voici de retour après la pause publicitaire et je vous l'avais promis, nous sommes en compagnie de monsieur Johnny Hallyday. Bonsoir Johnny. Monsieur Bernard Montiel, bonsoir. Merci d'être avec nous, c'est le parrain de ce quatrième Noël des animaux et lui aussi soutient l'action de Brigitte Bardot qu'on retrouvera tout à l'heure bien sûr dans notre émission. Alors Johnny, tu es donc le parrain de ce quatrième Noël des animaux, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter l'invitation de Brigitte ? D'abord, j'aime beaucoup Brigitte, et depuis vraiment de nombreuses années. Et puis, moi, j'avais fait une chanson sur mon dernier album, qui était sur les chiens abandonnés. Je trouve inacceptable qu'on achète, ou qu'on se fasse offrir un chien, ou qu'on achète un chien, ou que ça peut être un chat aussi, et quand on part en vacances, ça vous encombre, on l'attache à un arbre, on s'en va et on abandonne les animaux. Je trouve ça criminel. Ça m'a quelque chose qui m'a révolté, et donc je suis tout à fait à 100%, à 200% pour cette action qui est d'adopter des animaux. Mais attention, vouloir dire adopter un animal aujourd'hui, ça ne veut pas dire l'abandonner par la suite non plus. Il faut prendre conscience que si on adopte un chien, c'est un animal domestique, pour lui ses maîtres, c'est sa famille. Si on l'abandonne, c'est terrible. Déjà, il s'est fait abandonner une fois. Si c'est pour se faire abandonner une deuxième fois, c'est catastrophique pour le bien-être. Pour moi, c'est quand même, même si c'est un animal, c'est quand même un être humain. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire du mal à un animal. Moi, j'ai trois chiens chez moi et je préfère ne pas partir en vacances si ça devait me bousiller mes vacances que de me dire je mets mes chiens dans un chenil, par exemple, ou je les abandonne pendant 2 mois. Je ne pourrais pas faire ça. Justement, tu as toujours été très entouré de chiens. Moi, je t'ai connu à la Lorada où tu avais plein de chiens partout. Là, tu en as trois, comme tu as dit. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte, ces animaux ? Ben, c'est le meilleur ami de l'homme, hein. Il faut bien se dire une chose, c'est un chien ne vous juge pas, quoi que vous fassiez, il vous aime, il ne faut pas l'oublier ça. Et puis c'est fidèle. Et tout l'amour qu'on leur donne, c'est de l'amour qui vous rend 10 fois plus, puis c'est fidèle, c'est vrai. Ça ne calcule pas. Ouais, c'est honnête, c'est franc, c'est direct, c'est brut de pomme. C'est comme un chien, c'est toute sa vie, c'est comme un enfant en bas âge, s'il a besoin de vous. Merci Johnny Hallyday. Et je te propose de regarder, on propose encore 3 chiens à l'adoption. Tu sais, ça marche très très bien à l'adoption, on en est très fiers. Si j'avais pas déjà 3 chiens chez moi, je te jure, je repartirais avec un chien ou deux. Là. Tu l'as dit à Laetitia, parce que Laetitia est gaga des chiens comme non, toi. Laetitia, elle garde ma fille à la maison. Oui. Elle m'a dit, et puis tu sais, je préfère pas trop venir parce qu'on a déjà 3 chiens. Si je viens, je vais repartir au moins avec 2 chiens. Alors bon, il y en a déjà 3, ça va. Alors Johnny, tu embrasses Jade. J'embrasse Jade. Tu embrasses Laetitia. Laetitia et on caresse tes chiens. Et mes chiens. Merci beaucoup Johnny et on regarde ces 3 chiens à l'adoption. Merci Johnny.